Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui comment démonter et remonter cette chaîne, trouver son pas, sa jauge, le nombre de maillons. C'est parti! Je vais procéder au démontage avec ma clé à bougie. C'est parti dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Le filet est un peu long, c'est normal, c'est un gros modèle. Crac, crac, j'enlève mes deux écrous. J'enlève mon cache que je vais mettre ici. J'observe ma chaîne, mon guide, mon embrayage. Ici, vous avez les deux tétons de réglage parce que ce guide est réversible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons un trou en haut et un bas, en bas. Ici, c'est le petit trou pour la lubrification. Et j'enlève. Je soulève. Je fais passer la chaîne par-dessus. J'enlève mon guide. Et j'enlève ma chaîne en faisant passer par-dessus l'embrayage. Je vais chercher le pas. Le pas est le premier élément de ma chaîne. Je cote trois rivets à l'axe. Et voilà. 16,5. 16,5. Un petit dessin. Divisé par 2 égale 8. 8,25 correspond à un pas de 325. Voilà, c'est comme ça. Posez pas de questions, c'est comme ça. Une petite astuce pour la prochaine fois. Sur mon guide, je marque 325. Ça paraît rien, mais mine de rien, quand vous allez la changer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bien content de retrouver cette indication, surtout si vous ne vous rappelez pas comment on retrouve le pas de cette chaîne. Nous passons au deuxième élément. Je rebouche le feutre. Voilà, nous allons calculer la jauge. Ah, impeccable, un bon petit cas d'école. Comment remettre la chaîne dans le bon sens? Intéressant, ben on agrandit un petit peu les cercles là, comme celui-ci. Voilà, vous voyez les cercles de sa chaîne, et on se rend compte assez vite, une fois qu'on a agrandi tout ça, où on doit faire passer la chaîne. Voilà, un petit exercice qui n'était pas prévu mais qui est sympa. Je reviens à la jauge. La jauge consiste à mesurer l'épaisseur de la dent. 1,5. Eh bien, c'est top. Voilà. Et maintenant, donc je vais me rappeler du 1,5. Je le noterai ici. Dernière chose à calculer, le nombre de maillons. Je pose ma chaîne sous vos yeux. Je prends un petit feutre. Je colorie une dent pour bien se souvenir, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Bon, je vous la fais pas, hein. En fait, il y en a 72. Donc, on fait comme si je les avais toutes comptées. 71, 72. Oh! Eh ben, c'est top. C'est une 72 maillon. Là, je rajoute donc que c'est 1,5 de jauge et 72 maillons. Mine de rien, cette petite astuce sur votre machine, dans quelques temps, eh ben c'est super top. Et quand vous allez vous souvenir de la vidéo, vous allez vous dire, il était pas mauvais, lui. Bon, enfin, comme ça, enfin, je dis ça. Nous allons procéder au remontage. Et la petite question est, dans quel sens dois-je mettre ma chaîne? Alors, on va prendre le guide. Je vais faire une petite flèche. Vous allez comprendre tout de suite. C'est le sens de rotation de ma chaîne. Il va donc falloir installer
la chaîne sur le guide. La petite astuce, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, on la glisse comme ceci. Voilà. Dans les rainures. Donc, la question posée, suis-je dans le bon sens? Une petite technique. On passe son doigt là, léger, léger, parce qu'elle coupe. Hein, et ça accroche, ça coupe. Si je forçais un peu, je me ferais le bout de la peau. Elle est dans le bon sens. En clair, la dent que l'on voit ici, je vais vous l'approcher un petit peu plus près. La dent que l'on voit ici est dans le sens du coupant. Quand ça va tourner comme ça, le coupant de la dent va vous faire... Va vous faire quoi? Vous avez quelques secondes pour répondre. Des copeaux! Oh là là, il est marrant. Alors, après, j'installe ma chaîne. Je la fais passer derrière l'embrayage. Voilà. Je fais passer, c'est pas toujours très facile, je ne sais pas si vous avez vu, en tous les cas, vous le repasserez au ralenti, hein, si vous ne l'avez pas vu. Dans les deux ergots de fixation, je tends un petit peu ma chaîne. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est normal. Je tiens parce qu'elle est un petit peu longue, il y a du porte-à-faux. Je prends mon capot. Je le replace dans les deux ergots, ici présents. Alors celui-ci, voilà, vous avez entendu, là, le petit réglage de tension, il y a un téton qui est rentré dans le trou que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, voilà, la chaîne et le guide sont bien en place. Je vais pouvoir remettre mes écrous. Les écrous... dans le sens maintenant des aiguilles d'une montre pour le remontage. Et oui, si vous avez fait l'inverse avant, c'est normal. Maintenant, c'est dans le bon sens, comme dirait Jean Castex. Quand cette vidéo va vieillir, les jeunes ne se rappelleront plus qui était Jean Castex. Voilà, je fais bien rentrer mon cache à l'intérieur. Un petit coup dans le sens des aiguilles d'une montre de tension de la chaîne. On voit qu'elle commence à se tendre. Voilà. Comme montré dans d'autres vidéos, la bonne tension, c'est lorsqu'en tirant, on sort trois maillons du guide. C'est bon. Je resserre un petit peu plus fortement et définitivement... comme je le dis à chaque fois, sans serrer comme un âne, mais un peu quand même. Elle coulisse. J'ai 5 maillons qui ressortent. Je redesserre un petit peu. Je vais redonner un petit peu de tension. Et voilà, top, c'est fait. On résume. Nous sommes bien en présence d'une chaîne de 3,25 en ce qui concerne son pas. D'une jauge, l'épaisseur du maillon de 1,5. La jauge, l'épaisseur du maillon, c'est ce qui rentre dans la rainure. Il y a 72 maillons que nous avons comptés. Et c'est une semi-chisel. Vous allez voir juste après, sur un petit schéma, ce que cela veut dire. Et voilà. Graphique, le profil demi-rond. Que peut-on dire sur ce profil de dent? C'est l'intermédiaire entre le profil rond et le profil carré. Il coupe aussi bien le bois dur que le bois tendre avec une tronçonneuse de moyenne puissance ou une tronçonneuse professionnelle. Son affûtage est assez aisé et rapide. Merci pour votre attention. C'était un petit conseil, Kerwood.